Bonsoir, amis téléspectateurs. Bienvenue dans Téléjournal à Soya. Rapidement, mais plus gros point actualité. Président Sénat République là, Joseph Lambert, rencontré jeudi à dans Sénat République là, ambassadeur Canada en Haïti, André Frenette, coopération Haïti à Canada, tenant mi-temps, discussion yo. Comité suivi pour financement et institutionnalisation au parti politique yo, dans tête collée avec ministère économie et finance, remettre chèque by parti politique yo, Jean Loi sous parti politique yo, mandé ça. Yon action qui traduit volonté exécutif là pour institutionnaliser parti politique selon ministre économie et finance là, Jude Alix Patrick Salomon. Groupe Banque mondiale présenté mardi 23 janvier rapport étude lit sous urbanisation Haïti. D'après rapport ça, 64% moun la population a vivre dans ville. C'est titre ça nous va développer pour vous. Restez branchés. Merci pour fidélité à la télévision nationale d'Haïti. Nous avons démarré le journal là avec Wilner Polidor qui va dire nous comment la condition est. Nous sommes contents pour nous retrouver aujourd'hui pour la prévision météorologique là, qui se trouve en Côte-Oisie, Centre national météorologique pays d'Haïti, de concert avec OFNAC et puis télévision nationale d'Haïti. En avec comment la situation météorologique là est pour aujourd'hui. Malgré nous gagner un talvec qui trouve au nord de Caraïbes centrales, la situation ça n'a pas trop influencé les conditions météorologiques là, parce que nous gagnons yon masse les sec qui a dominé toute région Caraïbes là, et si tout Caraïbes centrales là, dont Haïti, fait partie. Là, ça n'a pas gagné un temps, jeudi, sous cap de précipitation ça n'a pas tellement d'activité la pluie, c'est vent avec soleil, mais pour sous tout pays, c'est l'ensemble, c'est du beau temps. Toutefois, il y a quelques laouzaïs qui ont gagné sous tête mounio, sous chaîne de mateux, sous montagne régionale, avec mon nasser qui a gagné quelques gouttes de la pluie. Mais pour l'ensemble, pour tout le pays, c'est beau temps qui a gagné pour aujourd'hui. Pour la capitale, c'est un capital qui a levé avec bel soleil, genou, voilà, avec vent qui a vanté sous toute région, toute zone qui est dans la région métropolitaine, la zone qui est avoisinante, c'est bel soleil avec vent. Cap vanté et nous avons une température aujourd'hui à cap monter jusqu'à 32 degrés, ça veut dire la fait un peu chaud et puis bah, la descente c'est 20 degrés pour l'Angleterre et l'Angleterre nous capable d'en venir parce que la température a baissé jusqu'à 20 degrés Celsius. Pour Bage Maritime, c'est un mer qui agité à fort sous région sud pays d'Haïti, ça veut dire côte sud là très agité. Nous demandons capter l'embarcation prudence avec précaution parce que région sud là, la mitan de la mer très forte et c'est pour ça que nous demandons précaution avec prudence. Mais pour région nord avec golfe de la Guadeloupe, c'est un mer qui a peu agité et nous demandons de capable naviguer mais avec un pile précaution dans la mitan de la mer. Et pour page astronomique, là, je vous dis à ce soir là, couché à 5h37 minutes. Et l'après-midi demain matin à 6h25. C'est tout ça que nous avons pour la situation météorologique là. Merci pour fidélité avec attention. Nous allons croiser demain pour une autre page météorologique. J'ai noté annoncé le titre comité suivi pour financement et institutionnalisation parti politique dans tête collée avec le ministère économie et finance, remettre chèque by parti politique. Chèque subvention sa yo qui sorti dans le trésor public là pour renforcer le groupement avec le parti politique sa yo et puis faciliter au gain plus bon représentation dans l'élection yo. D'après porte-parole COSFIP là, Mathias Pierre, reportage Sainte-Croix-Paki avec l'Aurore d'Arly Jean-Jacques. Remise de chèque sa yo fait pour permettre groupement avec parti politique sa yo répondre à l'ensemble responsabilité yo. Porte-parole comité suivi pour financement et institutionnalisation parti politique sa yo, Mathias Pierre, expliqué c'est 57 partis politiques qui qualifiaient pour recevoir subvention yo après plusieurs réunions de travail qui ont été organisées avec différentes structures politiques sa yo. 13 partis politiques avec un montant mensuel situé entre 1 million et 6 millions par mois et 14 partis perçoivent entre 199 000 et 437 000 gourdes par mois, et 20 partis reçoivent entre 100 000 gourdes
et 107 000 gouttes. Pour qu'il y ait moins de contestation à son application, il faut de bonnes élections. Que seule une bonne loi électorale permanente et une machine électorale bien rodée peuvent garantir. C'est à ce titre qu'un ensemble de recommandations ont été faites pour améliorer le système électoral haïtien tout en renforçant le système politique à travers les partis politiques. Ministre de l'économie a expliqué qu'il y a une obligation qui est faite avec les partis politiques pour que le supérieur des comptes joigne un rapport sur dépenses. L'administration Moïse Lafontaine, se voulant respectueuse de la Constitution, a prévu dans la loi de finances 2017-2018 les fonds nécessaires pour l'application de la dite loi. En ce sens, elle vient procéder aujourd'hui symboliquement à la remise des chèques du trésor public aux représentants des partis politiques présents. Dorénavant et sur une base mensuelle, l'État haïtien interviendra pour contribuer au fonctionnement de tous les partis politiques répondant aux exigences de la loi. Cette décision de l'exécutif haïtien vise à renforcer les partis politiques qui constituent l'épine dorsale de notre jeune démocratie. Représentant parti politique Moussa Noah, ancien sénateur Lucas Saint-Ville, salue l'initiative ça, li estime qu'a porté amélioration dans le fonctionnement parti politique yo. Besoin que yo finance parti politique yo et des partis politiques yo, mettez en condition pour yo travail, mais et pour ka éviter que gen bonne parti gen là yo. Moi même d'accord pour yo augmenter condition yo pour permettre parti politique yo venir pour prendre parti politique pour fonder un parti politique. Et pour l'argent, pas bah, n'importe comment. Mais vous êtes obligé de commencer, même si vous avez parti qui est là, qui dit l'élection n'est pas bien faite, vous êtes commencé. Donc, au fur et à mesure qu'il y a apporté des amendements à la loi, je pense que d'ici 5-10 ans, il y a une bonne loi qui répond, mais il y a un bon nombre de partis politiques qui puissent sembler à un petit pays tant que Haïti. C'est l'application loi janvier 2014 qui permet groupement à partis politiques de bénéficier de subventions. Coordonnateur national, parti politique Haïti en action, sénateur Yuri Latortue, quoi c'est un bon bagaille. Les gouvernements décidaient de financer les partis politiques, les quoi financement sabral aider parti à groupement politique consolidé, et puis estructurer tête au bien. En suivant extrait d'un micro Richardson Jourdan et Joseph Michaud. Financement parti politique, moi je crois que c'est extrêmement important. Son loi qui a appliqué. Loi a été dit. Parti politique qui a calé l'élection à partir de l'élection qui fait après loi, il y a bien droit, bien financement, si vous avez un représentant dans le Parlement, si vous avez 10% de la collectivité territoriale, et je dis, nous sommes un pays état de droit, démocratique, côté que c'est la loi pour appliquer, et je pense que il faut que vous encouragez justement parti politique qui est élu pour que vous même vous et continuer de vivre. Ça seulement a dit. Moi, je crois que à travers la loi, ça, il doit appliquer strict. Parce que si on partit aller, eh bien, il n'y a pas de monde. Là, que vous encouragez, ça veut dire que vous voulez 200, 300 partis dans le pays. Moi, je crois que la loi, ça, il vise plutôt à regrouper les partis politiques, quand on partit qui n'a pas de gain, justement, élu, avec l'autre, pour que nous ayons 4 à 5 grands partis dans le pays, au lieu de nous avoir 100 partis, 200 partis. Et peuple, là, leur élection, il y aura un peu de monde à parler, mais on va comprendre ça. Ça a dit. Alors que si il y a 4 ou 5 grandes lignes, le peuple a déjà plus ou moins choisi. Mais moi, je crois que son premier pas, m'encourager et Haïti en action, justement, comme parti depuis 2006, qui est toujours dans l'élection, qui est toujours élu dans le Parlement, dans la collectivité, eh bien, je dis, il est bien content de ce que le financement s'est fait, il va le consolider sur le plan national, puisque et nous encourager toute l'autre partie qui vient même dans sa veine, en nous mettant ensemble, de façon à ce que la population. Car ouais, justement, mon ligne qui dégage, c'est pas 100, 200 qui parlent, mais c'est qu'on partit en ligne et qui, justement, rentrer dans le cadre et construction vie démocratique dans le pays d'Haïti. Ambassadeur Canada en Haïti, André Frenette, fait une visite courtoisie dans le Sénat haïtien. Mardi 23 janvier, président Sénat Joseph Lambert a exprimé satisfaction li pour visite ça qui traduit bon relation entre deux pays, Haïti et Canada. Un extrait d'un micro Fedner confident avec Moïse Joseph.
Alors nous sommes aujourd'hui très heureux d'avoir ici au Sénat de la République l'ambassadeur du Canada. Et nous tenons aussi à lui exprimer toute notre gratitude et lui exprimer encore une fois notre solidarité au nom de l'amitié haïtiano-canadienne. Une amitié de longue date, une amitié qui s'est renforcée et au fil des ans. Et encore une fois, monsieur l'ambassadeur, merci d'être venu et merci de cette marque d'attention que vous avez choisi de manifester à notre égard au niveau du Sénat de la République. Ambassadeur Canada en Haïti, André Frenet expliqué, relation Haïti à Canada pas datée, jeudi. André Frenet dit, visite ça, fait dans le cadre de renforcement relation deux pays. Il y a un extrait dans le micro Fédéral Confident avec Moïse Joseph Wilbridge. La relation importante qui existe entre le Canada et Haïti, une relation qui est de longue durée, une relation qui est très, très profonde. Je voulais également profiter de l'occasion pour féliciter le président au nom de mon gouvernement sur son élection récente à titre de président. Nous avons profité de l'occasion pour parler de la collaboration, de dossiers importants qui animent cette relation-là entre le Canada et Haïti, et également de parler de les priorités du président. Alors, une discussion très, très fructueuse ce matin. Président, je vous remercie beaucoup de l'accueil. L'autre dossier, président Sénat République, là, Joseph Lambert annoncé mardi 23 janvier. Hein? Libéral mettait en débat rapport Petro-Caribéa 30 janvier Cap Vinila. Sénateur Lambert expliquait initiative ça sorti dans le cadre de la promesse l'été fait en vent, l'été arrivé président Sénat. L'y profiter moment pour dire nouveau bureau à bras le travail pour bail plus résultat. En suivant extrait dans le micro Colo Elisère avec Moïse Joseph Wilbridge. Mardi prochain. En assemblée, nous allons débattre du rapport Petro-Caribé. Et ça, c'est un scoop. Et je tenais aussi à informer la presse par les écrits télévisés de cet aspect important de notre fonctionnement ici et de cette nouvelle présidence aussi du Sénat qui ne veut pas enterrer, en un certain sens, les dossiers importants. Des dossiers sur la corruption, des dossiers à voir avec bien sûr des projets de loi, des propositions de loi en souffrance, le conseil électoral permanent, tout ça ce sont des éléments pour nous qui sont extrêmement importants à tout prix de permettre à l'Assemblée de se positionner là-dessus, de débattre de la question et permettre aussi à l'Assemblée de se prononcer. Et nous tenons au niveau du Sénat de la République à continuer sur cette même lancée. Nous allons parler santé. Il y a un séminaire formation sur maladie rein démarré lundi 22 janvier sur initiative plusieurs départements en faculté médecine avec unité dialyse dans l'hôpital général dans tête collée avec société néphrologie internationale. Séminaire ça d'après docteur Judith Exantus cap diré 5 jours a aidé augmenter capacité personnelle santé yo pour servir plus bien population. En suivre contre-indi Rodney d'Orléans avec Rudmeyer Lucin. D'après néphrologue là Judith Exantus, séminaire formation ça pral permettre professionnels santé yo faire dialyse pour ti moun ne soit grand monde si toutefois yo ta découvri yo fait attaque maladie rein. Plusieurs personnels santé qui sorti dans divers hôpitaux dans la capitale là participer dans séminaire formation ça qui a duré 5 jours. Nous très préoccupés par importance maladie rein après dans pays a que ce soit kay ti moun que ce soit kay grand monde et nous surtout tout préoccupés par façon que soin yo a bay dans pays a. Parce que souvent, maladie ça est diagnostiquée très tard. Donc, nous sommes venus avec un pile de complications. Nous n'avons pas fait prise en charge en gens pour nous faire non, parce que nous n'avons pas les moyens. Parce que l'État, peut-être, pour comprendre la plus importance pour lui accorder à la maladie rien dans le pays d'Haïti, car tout le monde a souffert de ça. Donc, nous avons un pile accent sur la formation. C'est ça, c'est dans la faculté de médecine que nous choisissons de faire. Parce que nous croyons en éducation
éducation personnelle de santé, que ce soit médecin, que ce soit infirmière. Un personnel qui est mieux formé, qui bien comprend de qui ça n'a pas parlé, est capable d'aider nos bails soins à tout le monde pour nous découvrir maladie et pour faire prise en charge. Après formation de 11 semaines, ça, nous attendons à ce que nous soyons vraiment sensibilisés, tous les professionnels qui l'ont, de sensibiliser sur l'importance qu'ils ont. Pensez déjà à diagnostic ça, qui c'est maladie, rien, le rien, pas qu'à marcher bien, pas qu'à nettoyer sans mon nom, avant que mon nom commence à remplir pour gros problèmes de tension, pas qu'à pipi, pour nous faire diagnostic là, et en même temps alerter pour nous capables d'avoir un bon registre, tout, parce que nous avons besoin de ça pour un premier malade qui a un problème ça, que ce soit petit monde, que ce soit grand monde. Capacité pour nous capables de dialyser, pour nous aider à vivre mieux, pour nous capables de retrouver, j'en nous dis, la santé qui concerne rien et donc la santé en général. Participants, yo, pas caché contentement yo, pour l'initiative ça qui, d'après eux, pourra augmenter connaissance et puis permettre le travail puis bien pour la population en service. Je travaille dans l'hôpital Saint-Damien, mon petit président. Que côté moi, assister un petit monde qui a des problèmes concernant les problèmes. Il y a une information sur la formation de dialyse pour nous participer. Moi, c'est important pour nous participer juste pour aider si nous avons des problèmes au niveau des reins. Moi, là, dans un séminaire qui a fait sur l'épuration extra-rénale, donc un séminaire qui a fait sur dialyse pour tout le monde qui souffre de maladies pleurées et insuffisance rénale, côté que rien ne veut arriver au moment que les pas arrivé. Bien travail, bien faire fonction, et que vous supposez prendre une machine qui pour faire travail rien pour lui. Et dans l'hôpital, nous avons rencontré plusieurs cas côté qui ont des gens qui ont des problèmes. Et c'est une raison parce que moi, confronté avec ce qui a fait ça à plusieurs reprises, côté moi, faire prise en charge des gens qui ont des gens pénal, qui c'est surtout ça qui explique la présence moi aujourd'hui pour faire des petits rappels et pour gagner des informations supplémentaires par rapport à maladie ça et par rapport à prise en charge qui c'est diable. Semaine d'information ça qui démarre lundi qui était 22 janvier à bout de vendredi 26 janvier qui est venu là. D'après Dr Judith, deux premiers juillet, c'est théorie à faire avec participants. Et puis trois derniers juillet à consacrer pour faire pratique. Être jeune et gagnant en Haïti, c'est sous thème ça, Memento Group réalisé en conférence débat mardi 23 janvier dans la faculté médecine, dans l'université de l'État d'Haïti pour créer connexion en jeunes qui déjà réussi avec jeunes qui travaillent pour réussir. Économiste Edzer Emile, fondateur Imar Business Group là, Marcus Boero, avec économiste Mike Bello, t'es parmi les intervenants qui t'a partagé connaissances et expériences avec jeunes universités qui étaient présents. Ensuite, contre-indi, Rachel Saint-Fort avec Henri Robert. C'est dans l'idée pour encadrer les jeunes, de mettre en contact avec les jeunes qui réussissent, qui servent de source d'inspiration pour réussir à vivre avec Memento Group organisé. Responsable Memento Group, il était quoi activité ça? C'est une opportunité pour les jeunes qui enquêtent inspiration, apprendre sur le parcours de jeunes qui réussissent, ça peut aider à bien choisir carrière et puis orienter vie sociale et professionnelle. Objectif nous c'est mettre les jeunes en contact avec des jeunes, d'autres jeunes qui réussissent. Le sujet être jeune et gagner en Haïti, c'est bien deux volets. Être jeune, nous avons une population qui est majoritairement constituée de jeunes. Et en pile de jeunes, ils sont souvent pas bien orientés, ils sont pas bien inspirés, ils sont pas ouais comment pour qu'ils réussissent dans le système. Là. Donc rôle nous-mêmes dans Memento Group, c'est assurer nous de faire connexion ça entre des jeunes, des modèles de réussite et l'autre jeune ça qui est en quête d'inspiration. Discipline, motivation, attitude positive, éducation, c'est parmi les facteurs qui aident les jeunes à aller plus loin et puis réaliser rêve d'après intervenant. Si tu as parlé ça, c'est l'occasion pour inviter les jeunes universitaires à être objectifs, définir priorités, connaître les oser, aider et puis travailler ensemble avec l'autre jeune pareil pour un bon résultat. Un jeune obligé de gagner un objectif pour le connaître qui côté le bras, il faut que je connaisse qui ça le voulait. Il faut que je n'utilise tant de manière optimale pour ne pas utiliser tant pour le gaspiller. Il faut que je n'en son jeune qui est motivé pour le décider. L'élever un bagage, même le que l'IOL pas facile pour le quand même pousser pour le capable réaliser. Il faut que je n'en ose, son beau que moi m'utilise. Il faut que je n'en ose essayer, même le que on l'autre monde qui a cru que le difficile pour le capable toujours essayer. Il faut que je n'en connais l'école. Connais l'école pas seulement faire cahier, livre de classe, mais aussi avec
éducation que la baille tête sur internet, j'ai la li la faire recherche et faut que je autour mettez ensemble pour créer des choses. La compagnie est IMOR Business Group. Ce qui est voilà, c'est une plateforme que jeunes pour suivre et nous voulons prendre un groupe pour aller l'autre bord, pour apprendre à créer l'entrepreneuriat, pour comment vendre tête. Mais aussi, je m'appelle des gens acheter en Chine, je m'appelle des Chinois rentrer à Haïti. Et c'est ça, vraiment, je dis, je suis connecté à tout ça pour que je connaisse. Mais l'orgon avantage, mais comme on peut utiliser, ce n'est pas ça que je fais, mais c'est son yé et c'est son quoi là-dedans. La conférence de Bassa, c'est une parmi les séries que je vais organiser pour les jeunes qui visent permettre de joindre une vibration positive, capable d'avancer. L'autre dossier dans le journal là, Parti politique Haïti en action, lancé mardi 23 janvier, un programme social en faveur plusieurs jeunes femmes dans le quartier Solino. À travers le programme ça, mesdames, yo bénéficié, yon caissé gratis dans l'idée pour faire commerce pour aider tête. Et puis, il y a bien possibilité tout pour acheter zé dans un prix réduit d'après responsable AAA. En suivant, yon extrait dans le micro Richardson Joudan avec Joseph Michaud. Dans le souterrain, hein? Moi-même coordonnateur, dans le suivi de mesdames, moi, yo. Ensuite, dans le marché, nous prenons 36 marchands qui besoin de faire commerce. Avec 36 marchands, c'est eux-mêmes qui pourraient faire bénéfice, non? Il y a des bâtiments gratis. Ensuite, deuxième fois, il y a des bâtiments qui ont une petite puissance. Nous bâtiments à un prix abordable. Côté que nous avons mal de bénéfices pour permettre de réinvestir encore. C'est-à-dire nous bâtiments à pratiquement coût de production. Et ça, c'est un incitatif que nous avons lancé à travers les quartiers populaires et surtout à travers un élément fondamental de l'économie qui est les femmes. Pour moi-même, femmes, c'est le moteur de développement du pays. De par le rôle que nous jouons dans la structure sociale dans le pays. Et c'est ça que fait, nous avons commencé dans les quartiers populaires et nous avons distribué les jeux dans les populaires. Nous ne pouvons pas faire production pour nous aller vendre seulement faire bénéfice. Mais nous voulons faire le tout pour que les gens, objectif parti, a dit en parti populaire. À ce que il y ait des monde qui ca participer là-dedans. Et c'est pour être ça nous gain premier échantillon ça. 30 mesdames femmes qui se portent mis dans la société là. Qui ça programme ça y est? Eh bien premier caisse là, nous connaît caisse là, il y a 370 là-dedans. Il gagne 12 cartons de 30. Premier caisse là. Mesdames ça qui font faire business déjà ou bien qui peut-être pas dans le business, il y a une première caisse là, gratuit. Ça veut dire gratis, tu chéri. Et première caisse là, il y a fait pour acheter qu'on y a en deuxième caisse. Et caisse là que vous achetez, il y a acheté à coût de production ferme là. Ça veut dire qu'il y a toujours à coût de production pour même réaliser bénéfices, pour augmenter le business. Et au cas où une quichotte qui occupe petit. Et n'a fait dans pile quartier populaire, mais nous commençons par Solino. Nouveau collège Bird inauguré, nouveau bâtiment lit week-end lent, bâtiment ça logé premier à troisième cycle fondamental l'école là. Bâtiment ça a été frappé pendant le tremblement de terre 12 janvier 2010 là et 8 l'année après ces trois bâtiments qui permettent élèves à respirer et puis apprendre puis bien. Reportage Marie Jolie et Hervé Pierre. Pour ça, pour permettre aux élèves premier et troisième cycle au nouveau collège Berdio travaille plus bien et côté conditions plus bien réunies pour rapport là, les élèves en sixième année fondamentale en disent sont-ils plus bien dans l'espace ça. Georgette Moléon, qui est directrice en premier et deuxième cycle, a expliqué qu'il franchit presque toute étape dans l'institution ça. Sorti professeur pour arriver. Directrice, puis grand rêve, c'est ouais, nouveau collège Bird reprendre tout service lié. C'était un va-et-vient réellement incessant. Donc, pour nous, estimer que le travail là est meilleur. Là, je pense que la performance là est meilleure parce que les professeurs connaissent les moments très difficiles. Nous connaissons que nous sommes un pays tropical, côté que la chaleur n'a pas toujours bonne chance, il fait très très chaud. Et nous comprenons comment ça est difficile dans la chaleur, en bâton, dans un hangar, et puis dans le côté classe éparpillée pour les professeurs eux-mêmes pour y arriver à encadrer tout le monde. Donc, si nous quand même à travers tout, nous-mêmes, membres de la direction, nous estimons que
yo bien encadré. Et maintenant, nous sentons mieux et tout le monde sent que c'est meilleur soulagement. Directrice générale là, Natacha Dorsey, fait qu'on est après 8 ans de tremblement de terre, travail n'a pas facile pour eux. À cause d'espace qui était trop coincé. Pour qu'on y ait un nouveau bâtiment, ça y répond à normes parasismiques. Nous avons gagné un déficit énorme en termes d'effectifs. Après le tremblement de terre, nous sommes passés de 1800 personnes à pratiquement 600 élèves. Donc, ceci pour dire que l'effectif nous a été affecté sérieusement. Mais qu'on y en a remonté partout là, nous à plus de milliers d'élèves. Donc, ça veut dire que Dieu merci, et ça va plus ou moins. Nous avons attendu, 8 années, mais pour nous gagner vraiment un travail qui répond à des normes internationales. Troisième bâtiment, ça a coûté 3 700 000 dollars américains. C'est l'organisation encore Winter the Methodist Church qui finançait le projet ça, d'après directrice générale Nouveau Collège Bredla, Natacha Dorsey. Nous arrivons au moment pour nous prendre une pause publicitaire. Red Branché Naptonin. Journal là à poursuivre un groupe étudiant dans faculté sciences humaines demandé coordination faculté à appliquer résolution conseil université l'état pour gagner présence la police dans espace faculté sciences humaines avec faculté technologie pour tablier l'ode. Groupe étudiant ça a estimé présence la police c'est plus bon moyen pour faciliter activité académique yo reprendre dans fache là. Woodley Noël avec Jordani Bouzil t'es présent dans faculté sciences humaines pour TNH. Mois après résolution, conseil université a concernant intervention la police dans espace là, groupe étudiant ça a plaidé pour application de résolution ça. C'est même groupe étudiant ça qui était mobilisé dans le mois de décembre qui s'est passé à pour demander intervention la police pour sécuriser faculté sciences humaines. Dans le cadre de dossier ça, membre conseil coordination faculté sciences humaines yo continue à refuser de parler dans micro journaliste. Cependant, d'après un avis conseil coordination qui sorti 22 janvier 2018 là, processus choix court pour première session année académique 2017-2018 là après prendre à partir 25 janvier 2018 et puis activité académique yo 29 janvier 2018. Un groupe dans opposition politique là annoncé yo pas participer dans aucune activité ni yo pas répondre à aucune invitation plateforme petite Dessalines ancien sénateur Jean-Charles Moïse a organisé mais André Michel et Dessalines là Moïse Jean-Charles dérefusé respecter directive coalition. Ensuite, précision ligne, un micro Sainte-Croix Paki avec Henri Robert Chéry. Si pas de gagner l'autre monde qui te vient avec l'autre discours, quand dit te pays là, le ça tout le monde t'a senti à l'aise pour venir dans marche là, disposition nous prend. C'est que et l'on gagne en situation côté gen moun k'ap menacer moun n'importe bagay capable rivé désormais zanmi petit Dessalines yo lè ap fè activité yo bay calendrier yo pi ap fè pou kont yo nou pa participer nou pa la dan nou pa voye roche nou pa jam kon voye roche nou pa voye krasil nou se des moun civilisés nou même tout lè n'ap fè activité pa nou secteur démocratique et populaire. Nous pas invité yo, yo pas venu, yo pas voyé moun, là ça a pas bien confrontation. Tout moun a évolué dans bon pa yo, y a fait activité yo ou bien net pays a pour pays a capable changer. C'est cette décision que nous avons adoptée pour nous éviter le pire, pour nous éviter désordre, éviter confrontation. Jean nous t'ai annoncé nan Titio, 64% moun nan population haïtienne lan a vive nan Vilio selon yon rapport Banque mondiale présenté mardi 23 janvier. C'est un document qui chita sous urbanisation en Haïti. John Herbie Casseus ak Jasmin Denis a présenté nous yon reportage sous document ça. Dans le rapport 237 pages ça, responsable Banque mondiale yo fait qu'on est 64% nan population haïtienne lan a vive nan Vilio, 35% nan moun sa yo pas joindre bonne qualité de l'eau pour servir. Sur le rapport ça, ville pays d'Haïti n'a pas gain infrastructure nécessaire à service de base conforme. Il fait qu'on est Haïti gain moins pourcentage service ramassage fatra en Amérique latine à Caraïbes là, ça qui selon yo mettait Haïti dans 4e place sur plan urbanisation dans région après Porto Rico, Trinidad et Mexique.
Pour éviter faire face à problème ça yo, responsable Banque mondiale yo recommandé l'État haïtien pour investir dans infrastructure qui plus solide pour yo ka faire face à déficit dans service de base yo, renforcer droit sur propriété et faire promotion pour améliorer gestion institution yo, renforcer système qui gère finance mairie yo et puis agrandir opportunité financement yo. Cérémonie pour mettre bout à projet Corée Kafoufei déroulé mardi 23 janvier à travers projet ça centre étude à coopération internationale CECI a réalisé gain 841 jeunes qui joignent formation dans différents métiers une initiative Croix Rouge haïtien avec support Croix Rouge américain. On suit un reportage d'Aline Dorival avec Hervé Pierre. 841 garçons et femmes, c'est quantité jeunes qui bénéficient de formation professionnelle dans le cadre projet encadrement social et renforcement économique. Centre études à coopération internationale CECI réalisé. Une initiative Croix Rouge haïtienne et support Croix Rouge américaine. Projet ça a coûté environ 3 millions de dollars américains. C'est un programme qui visait former jeunes, combattre la misère et renforcer lien social dans le quartier. D'après directeur régional Haïti Caraïbes Centre études à coopération internationale là. Nous avons voulu cette cérémonie comme un événement fédérateur qui conclut brillamment le projet et qui ouvre grand la porte des opportunités aux jeunes de ce quartier. Notons qu'aujourd'hui en termes d'effet suite à la formation technique et professionnelle qu'ils ont bénéficié, vous l'avez déjà entendu. Beaucoup d'entreprises ont été créées. Plus de 390 jeunes ont pu accéder à l'emploi et sont donc outillés pour subvenir à leurs besoins. Youn a bénéficié du projet ça, exprimé contentement avec résultat positif, li estimé projet Corée Kafoufela porté dans la ville. On a fait le choix de bien faire l'écran génératrice. Corée Kafoufei, c'est un projet pour jeunes qui visait former professionnels dans différents métiers et puis accompagner eux pour intégrer le marché du travail. Là. Assemblée magistrat dans le département l'Ouest fait première réunion mardi 23 janvier. Après réunion 1, l'Assemblée a rempli passé 5 résolutions qui gagnent pour eux fonctionnement et puis développement municipalité. Yo. Magistrat Jean-Jacob Malachi René déclaré résolution yo bral publié et puis adjoint autorité concernée. Ensuite. 23 janvier, par contre, commune dans le pays a recevoir un centime qui a fait investissement. Et ministre Aviol, eh bien, pas entendre justement discuter avec nous comme magistrat. On va le dire Carrefour gagne l'argent, Delma gagne l'argent, Petroville gagne l'argent, on va le dire Tabar gagne l'argent. Mais commune n'est pas résumée à 4 communes, donc il y a 146 communes et 140 magistrats là-dedans. Et c'est de la responsabilité exclusive du ministre Aviol que je pointe du droit, qu'il faut répondre à la presse tout, pour qu'il s'ajoute à une commune qui recevra un centime. Il y a 2 ans ministre de planification qui est responsable de pilotage font ça, on n'est pas arrivé. Ça nous vient dire dans la résolution ça. C'est pour nous dire que. Par rapport à la philosophie fond, hein, sous aspect légal, question, hein, que nous-mêmes les maires de l'Ouest, nous, pour seul bagaille, nous demandons qu'ils pour respecter. C'est signature de convention cadre avec les mairies de la République, toutes les mairies de la République, toutes les mairies de l'Ouest, pour le ministre de la planification signé avec Mairio pour le virer Koblabayo directement. On l'a dit que la politique, on n'a pas fait politique, je parle politique. Que c'est député sénateur qui prend le ministre, l'impression que le ministre voulait être sous pouvoir pour entendre seulement député à sénateur pour faire comme la débloquer sous base à la hésiter. Mais oui, nous clés sous lit, donc c'est dans la première phase là, nous y là, nous baillons des conférences pour nous faire ministre Aviol connaît, ça fait nous environ 18 mois depuis nous dans Mairio. Et budget 2016-2017 l'an passé. Pas aucun mérite. Donc nous connaissons le dialogue là, faut que nous faisons d'abord. Donc si le ministre Aviol pas voulu entendre de dialogue, donc finalement nous-mêmes dans le mairie, nous avons décidé de montrer au ministre Aviol Fleurant, l'argent fonds communaux, ce n'est pas pour le gérer ni sénateur ni député, c'est pour le magistrat faire projet dans le communio. Finalement, si le ministre Aviol pas voulu signer ensemble avec nous pour le faire, nous jouer l'argent, nous avons obligé de quitter le ministère pour nous-mêmes nous capables de jouer l'argent. Nous allons observer une autre pause dans le journal là. Nous allons suivre avec
avec journal la séance travail qui t'a dû faire dit 23 janvier à dans Sénat. Yo t'a dû faire débat et puis voter quelques propositions sous projet loi tant coup sous façon choix Jijo t'a dû faire. Nous allons petit coup de pied à l'étranger. Démocrates et républicains yo joignent un accord provisoire administration Donald Trump lan capable de faire face à shutdown lan. Qui c'est blocage partiel administration publique. Là. Et dans le pays la France, à cause mobilisation yo, cap rapoursuivre, prison yo toujours été bloqué, mardi 23 janvier 2018 là. Jeudi a fait 9e jour, protestation côté gardien prison yo, levé campé pour demander plus bon conditions de travail dans prison yo. Ensuite. Syndicat gardien prison yo dans le pays la France. Entre temps, blocage yo à poursuivre. Jeudi mardi 23 janvier 2018 là fait environ 9 jours depuis gardien prison yo a protesté dans 4 coins pays la France. Raison en conditions travail qui déplorables, pas gain matériel adéquat, agression violent qu'a fait dans prison yo, gardien yo qui t'a pè prisonnier radicalisé yo. Ça gain 25 l'année administration pénitentiaire française a pas connait en crise comme ça. En un pas sorti dans rencontre qui fait à lundi a. Cependant une nouvelle rencontre déroulée mardi 23 janvier a. Problème nan dwe manye nan tout globalité la, d'après syndicaliste Thibaut Capel qui t'a parlé nan non force ouvrière prison française Fleury Mérogui. Il va falloir revoir tout le recrutement, il va enfin falloir que notre métier soit attractif. Les policiers, il y a quelques années, l'ont fait, maintenant c'est le tour de la pénitentiaire et on va aller le chercher. Fleury Mérogui, c'est plus gros prison Europe là. 130 sous 188 prisons françaises ont été affectées à cause du mouvement Sahara à lundi 22 janvier. Environ une quinzaine bloquées net. On va le faire appel à Tikyo avant nous quitter. Le plus gros point cap dominé actualité à Soya, président Sénat République là, Joseph Lambert rencontré Jodiane en Sénat République là, ambassadeur Canada en Haïti. André Frenette, coopération Haïti à Canada, tenant mi-temps discussion yo. Comité suivi pour financement et institutionnalisation parti politique yo, non tête collée avec ministère économie et finance. Remettre chèque by parti politique yo, Jean loi sous parti politique yo. Mandé ça, yon action qui traduit volonté exécutif là pour institutionnaliser parti politique yo selon Alex Patrick Salomon. Groupe Banque mondiale présenté mardi 23 janvier à rapport établi sous urbanisation Haïti d'après rapport ça 64% moun dans la population a vive dans ville. Actualité l'autre bord de l'eau, démocrate et républicain joignent accord provisoire mardi 23 janvier à yo gain jusqu'à 8 février pour joignent entente finale sinon administration Donald Trump capable de faire face à shutdown qui était partiel dans l'administration publique là. C'est là nous mettons en bout dans le journal là. Merci pour fidélité et attention. Bonne nuit tout le monde. À demain.